Bonjour tout le monde, c'est Mohomer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un épisode des 15 ans de Layton un peu particulier. Alors les amis, avant de commencer, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode le lendemain après que j'ai sorti la vidéo dimanche hier sur ma chaîne, ou l'heure à l'heure où cette vidéo sort sur ma chaîne. En fait, le problème c'est que voilà, en fait, nous avons fait l'épisode bonus consacré aux énigmes bonus et les mini-jeux du jeu. Mais en fait, il y avait un truc qui manquait, il y avait un truc qui va pas, c'est que on a oublié de faire les énigmes du jour. En fait, c'est quoi? C'est que dans les extras du jeu Professeur Layton et l'héritage des Aztlantes, dans ce jeu Layton, si vous allez dans les extras, il y a des énigmes bonus. Là, c'est des énigmes bonus, mais après, il y a aussi le service en ligne qui permet de télécharger des énigmes en ligne sur le jeu, mais voilà, tout simplement, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode un jour après la diffusion du dernier épisode. C'est parce que, voilà, en fait, on avait oublié de faire les énigmes que vous voyez à l'écran. On a oublié de faire les énigmes bonus. Parce que, oui, on a d'autres énigmes bonus, comme vous voyez à l'écran, que je vous ai expliqué au début du jeu, dans le premier épisode, qu'il y avait des énigmes bonus comme ça. Voilà les amis, donc c'est pour ça que je vous fais cet épisode, au moins voilà, j'ai voulu vous répondre, j'ai voulu vous expliquer parce que je sais qu'il y aura certains qui vont être un peu, qui vont pas comprendre pourquoi cet épisode sort aujourd'hui après la diffusion hier, mais voilà, le problème c'est que on avait oublié de faire ces énigmes, j'avais complètement oublié qu'il y avait ces énigmes qu'il fallait résoudre aussi, donc c'est pour ça que je vous fais cet épisode, donc ce sera entre guillemets un deuxième épisode bonus du jeu, mais voilà, je pense que cet épisode sera plus court que l'autre épisode parce que il y a juste 20 énigmes, mais après je pense que cet épisode sera plus court que le précédent épisode. Donc voilà les amis, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va résoudre les 20 énigmes que Mamie Mystère nous a proposé. Parce que si vous allez dans les extras de ce jeu, vous pouvez avoir accès à 20 énigmes. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode, du coup, nous allons faire les 20 énigmes. On va faire les énigmes bonus. Voilà les amis, j'avais complètement oublié qu'on n'avait pas fait encore ces énigmes, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que on avait oublié de faire ces énigmes. Oh bah écoutez, hein, j'avais pas repensé, mais voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous fais cet épisode, ce sera un épisode consacré à ces énigmes, voilà, ce sera juste un épisode avec ses énigmes, donc cet épisode sera plus court que le précédent épisode, mais je sais pas combien de temps ça va durer, on verra bien. Donc voilà les amis, donc là ce qu'on va faire, on va faire les énigmes, donc il y a 20 énigmes, je pense qu'il y a 20 énigmes, mais bon, c'est en fonction du nombre de trucs qu'on télécharge, parce que dans ce jeu Layton, vous pouvez télécharger les énigmes sur internet, mais voilà. Donc voilà les amis, donc on va faire les énigmes bonus, on va commencer par la première énigme, donc voilà, on va commencer. Alors, grand prix numéro 1, fait disparaître tous les chiffres pour gagner la course. Bon bah du coup, voilà les amis, nous allons faire les énigmes bonus et on va voir si on sait résoudre tous les énigmes que le jeu propose pour cet épisode bonus. Allez du coup les amis, on va commencer avec la première énigme. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah là, ça a changé l'interface. Ah, c'est sympa. Alors, énigme numéro 1. Chaque fois que vous touchez une case, le chiffre qui contient augmente de 1 jusqu'à qu'il atteigne 4. Toucher un 4 fait revenir la case au chiffre 1. Quand le même chiffre apparaît sur deux cases adjoints au plus, les cases disparaissent. En y prenant bien, vous pouvez faire disparaître jusqu'à 5 caisses. Le but de l'énigme est de faire disparaître toutes les cases. Faites attention de ne pas laisser deux chiffres qui sont isolés. Ah, d'accord. En gros, ce que je dois faire, c'est que je dois faire disparaître les machins. D'accord. Alors, pour commencer, alors donc on a 1, 4, 1, 3, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 3. Alors, chaque fois que vous touchez une case, ça change. Ah, d'accord. Ok, les amis, donc là, ce qu'il faut faire, il faut que je change certains trucs. Ok, je pense que le reste au-dessus, c'est bon, mais je pense qu'il faut changer en bas. Je pense qu'il faut changer ici. Ah, j'ai compris. Ok, les amis, j'ai compris. Et là, je pense qu'il faut mettre un 2, un 4. Voilà, et ensuite mettre un 3 pour un 4 ici, et un 1 ici. Voilà, c'est bon. Voilà ma réponse. Bon bah, je pense que c'est bon. Yes! Ok. Voilà les amis, on a résolu la première énigme. Ok, très bien. Ah, il y a une animation. Ah, il y a des animations. Ah. Bah, on a résolu l'énigme. D'accord. Ok, donc là, ce qu'il faut faire, il faut résoudre tous les énigmes comme ça.
Ah ok, sauvegarde. Ok les amis, du coup, on va passer au deuxième énigme. Alors, robot numéro 1. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Énigme numéro 2. Panique mécanique numéro 1. Pour assembler ces robots mécaniques, tracez des lignes reliées aux trois éléments qui les composent. Une tête, un corps et des jambes. L'ordre n'est pas important. Lorsque les trois éléments sont reliés et deviennent jaunes, et l'assemblage peut commencer, à vous de grouper tous les éléments qui sont affichés sur l'écran tactile. Ah ouais, attends, si j'ai bien compris, il faut que j'assemble les robots. Ah, d'accord, ok. Donc là, ce que je dois faire, je dois assembler les robots. Ok, donc là, il faut mettre la tête, le corps et les jambes. Donc on va mettre comme ça. Voilà. Mettre ça et tac. Ça ici. Avec ça. Comme ça. Voilà. Et ensuite ça et ça. Ouais, c'est bon. Ici. Voilà. Ici. Ici, là et là. Et là et là. Ok les amis, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est bon. Est-ce que c'est la bonne solution ? Yes ! Ok. Encore une énigme de résolu. Parfait. Très belle énigme. Ok, très bien. Ah, d'accord. On a des belles animations. On a le droit à des animations à chaque énigme. D'accord. Bon, bah, c'est terminé. Alors, troisième énigme, du coup. On va retourner en arrière. Sauvegarde en cours. Ok, les amis, c'est parti pour la troisième énigme. Allez, c'est parti. Mouton 1. Allez, c'est parti pour l'énigme. Énigme numéro 3. Instinct grégaire 1. Placez le stylet sur le chien de berger et faites-le glisser pour le déplacer et l'aider à rassembler le troupeau de moutons. Dès que deux moutons en plus se trouvent sur des cases adjoints, ils sont immédiatement renvoyés à la bergerie. Ok. Si vous poussez les moutons dans des coins ou contre des murs, vous risquez d'avoir du mal à les guider vers leurs petits camarades. Aidez avec prudence. Guidez le chien, fait en sorte de ramener tous les moutons à la boulangerie. D'accord. Ok, donc là, ce que je dois faire, c'est que je dois mettre des moutons, c'est ça? Des chiens? Ok. Attends, si je mettais le mouton ici. Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Et je mettrais le mouton en bas. Ah, ok. Le mouton, on pourrait le mettre là. Attendez. D'accord, il y a une animation en haut. D'accord, d'accord. Comme ça. Ah merde. Ah. Et non! Et non, c'est pas ça. Ok, ça commence bien. Ça a l'air compliqué, hein. Bah, faut mettre le mouton là, ça a l'air d'être correct. Ensuite, mettre le mouton là, ici. Peut-être mettre celui-là, là. Ah, merde. Et non. Attends. Ah, peut-être qu'il faut les mettre ensemble. Ah, bah voilà. Et là, je mets. Et non! Et non! Bah, attends, mais il y a le mouton. Il y a le mouton là. Ah merde. Oh putain, non. Je suis encore coincé là. Et non! Attendez, si je mets ce mouton là. Si je mettais ce mouton. Ah putain, je voulais pas faire ça. Si je le mets là. Et peut-être que je peux mettre le mouton en bas, en fait. Quoi ? Mais pourquoi je peux pas aller plus bas ? La vache. Ah, peut-être qu'il faut faire de l'autre côté, en fait. Mais pareil, je vais être coincé. Attendez. Je vais être coincé aussi. Attendez. Putain. Attendez, ça a l'air compliqué. Faut bien mettre là, on est bien d'accord. Hein. Peut-être qu'il faut aller là, peut-être. Le mettre comme ça.
tête comme ça. Voilà, c'est bon. Ok, les amis, je crois que c'est bon. Voilà, c'est bon. Je suis confiant. Et c'est gagné. Yes. Ok. Voilà, j'ai vraiment un peu galéré, hein. Franchement, j'ai un peu galéré. Ah, ok, donc là, c'est l'animation des moutons. Ok. Bon, bah, troisième inning terminé. On va pouvoir passer au quatrième, du coup. Sauvegarde en cours. Ok, les amis, quatrième énigme. Allez, c'est parti. Énigme numéro 4. Ectoplasme en plus 4. Placer des miroirs afin de dévier les rayons lumineux et d'aider les chevaliers à chasser les fantômes. Pour qu'un fantôme soit chassé, il doit être frappé par un rayon de lumière de sa couleur déviée un certain nombre de fois. Le nombre visé sur chaque fantôme indique le nombre de miroirs qui doit toucher le rayon de lumière pour chasser le fantôme en question. Vous ne pouvez déplacer qu'un seul miroir par section et toutes les sections doivent contenir un miroir. Toucher un miroir déjà placé pour faire pivoter ou le supprimer. Placer les miroirs au bon endroit pour vous débarrasser de tous les fantômes à la fois. Ok, donc là, si j'ai bien compris, je dois mettre des boucliers. Ah, je dois mettre des boucliers. Attends, peut-être qu'il faut mettre un bouclier là. Non, peut-être qu'il faut mettre qu'ici. Peut-être qu'il faut mettre un bouclier ici. Mettre un ici. Ah, voilà. Ça fait un fantôme qui est mort. Ok, un fantôme est mort. Ok. Ici, peut-être c'est bon. Voilà, je pense qu'il faut mettre là. Là et là. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, c'est bon. Vérifions cette. Ok, les amis, c'est bon. Yes. Encore une énigme de résolu. Parfait. Ok, là, tous les fantômes sont partis. Ok. Ok, les amis, on a résolu l'énigme. Ok. Sauvegarde en cours. Allez, prochaine énigme. Allez, c'est parti. Énigme numéro 5, opération gruyère numéro 1. Toucher une flèche sur l'écran tactile pour déplacer le hamster. Ah, c'est le hamster là. C'est le hamster dans la boîte de Pandore. Ah, le hamster. Ah, ça fait plaisir. Le hamster peut pousser les bocaux. Il peut aussi les faire tomber à partir du bord des caisses. Et marcher dessus si le couvert se trouve à son niveau. Utilisez les plateformes rouges pour faire monter ou descendre le hamster ou les bocaux d'un niveau. Attention, toutes les plateformes vont être activées. Qui vont être activés à la fois. Utilisez les plateformes et les bocaux à bon escient pour permettre au hamster de mettre la patte sur le morceau de fromage. Ah, d'accord. En gros, ce qu'il faut faire, il faut que je guide jusqu'au. Ah oui, jusqu'au fromage. Jusqu'au fromage. Attends, si je vais là. Là. Je pense qu'il faut mettre la boîte en bas. Ouais. Et là je pense que c'est bon. Attendez. Ah non, il manque Bah attends. Attends, peut-être c'est ça en fait. Ah bah non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok, les amis, c'est bon. Est-ce que c'est la bonne solution? Ok, on a gagné. Yes. Encore une énigme de résolu. Parfait. Ok, c'est bon. Oh, le hamster. Le hamster dans la boîte de Pandore. Ah, ça fait très plaisir. Ok, on a terminé l'énigme. Ok, les amis, on va passer à la prochaine énigme. Et là, si vous voyez bien, c'est marqué la date où il y a eu les énigmes. Le 26 mai 2013. Attends, le jeu n'est pas sorti fin 2013. Ok. Allez, prochaine énigme. Allez, c'est parti. Énigme numéro 6. Propreté optimisée. Guider le personnel de l'hôtel de chambre en chambre pour que le ménage soit fait. Les employés ne doivent jamais passer deux fois dans la même chambre. Le chemin qu'ils vont suivre ne doit contenir aucune intersection. S'ils peuvent pas passer dans une chambre, toucher sa porte pour laisser un mot. Cependant, les symboles n'ont pas le droit de laisser des mots sur deux portes adjointes. Pour retirer un mot déjà accroché, toucher la porte. L'hôtel est divisé en zones, indiquées par les lignes épaisses. Les employés ne doivent entrer et sortir de chaque zone qu'une fois. Guidez-les en fonction de ces contraintes. Attendez, donc là, attends. Si j'ai bien compris, il faut que je mette des portes ou je sais pas quoi. D'accord. Attends, faut peut-être relier en fait. Non, attends.
mettre des portes. Guider le personnel de la chambre pour que le ménage soit fait. Ah ouais, ok. Ok, à mon avis, je pense qu'il faut faire un chemin comme ça. Passer par là. Je pense qu'il faut passer par là. Ici. Ici. Ici, je crois. Ah, ok, d'accord. Je pense qu'il faut faire un chemin comme ça. Et après, les portes qu'il faut se mettre, peut-être qu'il faut mettre une porte là et une porte là. Voilà, je crois que c'est ça. Je pense avoir trouvé. Yes! Ok. Encore une énigme de résolu. Parfait. Ok, la femme est en train de chanter. Ouais. Ok, on a résolu l'énigme. Ok, parfait, ça c'est fait. Sauvegarde. Allez les amis, prochaine énigme. On va faire celui-là. Allez, c'est parti. Alors. Énigme numéro 7. Pas de loup numéro 1. Protéger le village des porcelets des assauts du grand méchant loup en dessinant une clôture interpompue autour des huîtres et des champs du village. Pour assurer la sécurité des huîtres, chacune d'entre elles doit être entourée d'au moins 3 sections de clôture. En revanche, il ne doit jamais avoir plus de 2 sections autour d'un champ. Puisque la clôture doit entourer le village et non le diviser, elle doit compter aucune intersection. Ah ok, donc là ce que je dois faire des clôtures. Je dois faire des clôtures. Ah ouais, attends, c'est... Ah ouais, le loup, il est là et je vois un cochon. Ah d'accord, c'est peut-être comme le training. Peut-être qu'il faut faire un chemin comme ça. Comme ça, ici. Attends, non, non, non. Non, plutôt comme ça. Tac. Peut-être qu'il faut faire comme ça. Voilà, je crois que c'est bon. Hein. Ah non, 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 non. Ah si, non, je pense que c'est bon ça. Ah non! Non, 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 attendez. Attendez, j'ai fait une erreur, c'est peut-être ça. Voilà. Non? Ah ouais, je dois cliquer sur les maisons peut-être. Non, je peux pas cliquer sur les maisons. Ah, j'ai vu sur l'écran supérieur que le loup a piétiné sur les carottes. Oh là là. Bah, c'est bon là. J'ai bien mis tout ensemble. Ah non, ok, je vois l'erreur. Ah non, ok, je vois c'est quoi l'erreur. Je vois ce qui va pas. Faut faire comme ça. Ah bah voilà. Là, c'est bon. Voilà ma réponse. Voilà, là, c'est bon. Yes. Ok, parce que là, je pensais que c'était pas ça, mais... Solution. J'ai vu ce qui n'allait pas, j'ai vu ce qui n'allait pas. Ok, c'est bon. Ok, encore une énigme de résolu. Alors, prochaine énigme. Sauvegarde. On pourra passer au prochain énigme, celui-là. Ok, alchimie. Allez, c'est parti. Allez, prochaine énigme. Énigme numéro 8. Le retour de l'alchimie numéro 1. Touchez un flocon à flacon et faites glisser le stylet vers un autre flacon sur la même ligne horizontale ou verticale pour relier les deux flacons par un tube de verre. Vous pouvez placer jusqu'à 2 tubes entre 2 flacons. Les tubes ne peuvent pas se croiser. Touchez un tube déjà placé pour le retirer. Les chiffres indiquent le nombre de tubes qui doit être connecté à chaque flacon. Ils deviennent rouges si un flacon est lié à trop de tubes ou bleus s'il va bien. Pour que l'expérience chimique soit un succès, tous les flacons doivent être connectés les unes aux autres et doivent être bleus. Et doivent être bleus. D'accord, donc là, si j'ai bien compris, je dois relier des flacons. Je dois relier des flacons. Peut-être qu'il faut relier tous ensemble. Ah, c'est en bleu. Attends, si je mets à droite. Ouais. Attends, peut-être qu'il faut relier comme ça. Ah, c'est en bleu aussi. Ah, c'est peut-être comme ça? Non. Attends. Y a un problème, là. C'est pas ça, en fait. Là, il faut que je mette tout en bleu, en fait.
et tout doit être bleu. Ah! Ah, d'accord! Ok, ça doit être ça. Voilà! Ah, d'accord, c'était ça. Ok, c'est ça. Je suis confiant. Ok, c'est bon, on a réussi. Yes! Hey! Encore une énigme de résolu. Parfait. Ok, les amis, c'était ça. Ok, c'est bon. Ouh, ok. Ça, c'est fait. Allez, les amis, prochaine énigme. Alors, bon numéro 1. Ok, c'est parti. Énigme numéro 9. D'un bond à l'autre. Servez-vous des trampolines pour atteindre l'arrivée. Mais attention, vous ne devez surtout pas marcher sur l'herbe ni tomber dans l'eau. La distance que vous franchissez en sautant sur la trampoline dépend de votre élan. Une course d'élan d'une case permet d'effectuer un saut de 2 cases. Puis vous prenez de l'élan, puis vous pouvez sauter loin. Assurez-vous de jamais sauter d'un trampoline vers un autre, c'est une mauvaise idée. Faites attention à la position des différents trampolines ainsi que la longueur de vos courses d'élan pour rejoindre l'arrivée sans encombre. Ok, donc là, ce que je dois faire, je dois sauter de trampoline en trampoline. D'accord. Alors, pour aller là, faut que j'aille à droite. Bon, faut aller à droite, hein. Tac. Il faut aller là. Donc, faut faire 2 cases. Voilà. Ensuite, ici. Là. Encore plus loin. Et là, je faut fasse une case. Ok, c'est bon. Vérifions. Ok, les amis, on a réussi. Yes! Encore une énigme de résolu, parfait. Ok les amis, c'était pas très compliqué en fait. C'était pas trop compliqué, faut juste bien regarder et faire les bons sauts. Yes. Ok, donc là on a fini. Ok. Ok, prochaine énigme. Plan de vol. Allez, c'est parti. Énigme numéro 10. Vol planifié 1. Dessinez des lignes à l'aide du stylet afin de créer un plan de vol. Il est inutile de le faire passer par tous les cases, mais il vous faut inclure toutes les sections rouges. Touchez ces sections rouges pour les faire pivoter. Pensez bien que l'avion vole toujours tout droit lorsqu'il arrive à une intersection. Vous ne pouvez pas dessiner d'intersection vous-même. Pour effectuer une section déjà tracée, repassez simplement dessus avec le stylet. Ah, ok, donc là je dois créer des sections d'avion. Je dois faire un chemin, quoi. Et je dois passer sur les rouges. Ok, donc peut-être il faut passer par là. Ah oui, merde, je peux pas aller plus loin. Non. Pour créer un chemin. Je peux pas aller en bas. Bah, ça marche pas. Attendez, j'ai pas compris. Il faut que je crée un chemin. D'essayer des lignes à l'aide du stylet. Ah ouais, d'accord. Je dois respecter un certain genre de chemin. Bah, je peux pas aller en bas. Non. J'ai rien compris. Ici. Bon, peut-être qu'il faut que je fasse ça en fait. Ouais, je vais dire ça. Ouais, je sais pas, peut-être c'est ça. Je crois que j'ai la solution. Et non! Et non! Non, c'est pas ça. Attendez là, j'ai rien compris. J'ai rien compris là, faut tracer des trucs ou quoi? Hein, j'ai rien compris là. Attendez, j'ai pas compris là. Qu'est-ce que je suis censé tracer en fait? Je sais pas tracer d'autres moi. Attendez. Mais y a pas un truc. Oh! Ah d'accord! Oh mais je suis con, putain. Ok, j'ai compris. Ok. À mon avis, ça doit être ça la réponse. Ça doit être quelque chose comme ça. Merde. Non, bon. Ok. D'accord. Putain, je suis vraiment con là. Putain. Non mais sérieux, mais c'est incroyable ça. Ok. Donc là, faut que je fasse des sections comme ça en fait. De cette façon.
Et là, faut que j'arrive à faire un chemin comme ça. Voilà, et faire un chemin en dessous comme ça. Ah, j'ai compris, ok. Ok, les amis, ça doit être ça. Ah. D'accord, l'avion a décollé et c'est bon. À mon avis, c'est bon. Vérifions cette hypothèse. Yes! Ok. Encore une énigme de résolu. Parfait. Ok. J'avais mal compris en fait. On pouvait changer ce qui est en rouge. On pouvait changer. Ah là là, je suis vraiment con. Hein. Franchement, je suis vraiment con. Hein. Ok, bon, on a résolu l'énigme. Ok. Eh bien, mes amis, nous sommes déjà à la moitié. Il ne reste plus que 10 énigmes. Encore 10 énigmes. Allez, c'est parti. Alors, place plat. Allez, c'est parti. Énigme numéro 11. Place plat numéro 1. Fais glisser les assiettes sur la table afin que chacune des sections délimitées contienne une assiette de chaque forme. Vous ne pouvez pas placer une assiette sur une case si une autre assiette de forme identique se trouve de l'autre côté. Juste à côté. Les assiettes ternes ont une position fixe. Il est impossible de les déplacer. Réfléchissez à l'endroit où vous devez placer chaque assiette et la manière de libérer un passage. Ok. Attends, si j'ai bien compris, il faut que je fasse des assiettes comme ça. Ok. À mon avis, je pense qu'il faut mettre ici. Ah non, je peux juste déplacer que ça. Ok. Ok, là c'est bon. Ah ouais, je peux pas déplacer ça. Attendez. J'ai pas compris là. Ah, peut-être qu'il faut que je le mette en bas. Peut-être ça qu'il faut mettre. Attendez. Attendez, ça il faut mettre là, ok? Attendez. Ah, peut-être qu'il faut mettre ici. Ah, voilà. Peut-être celle-là. Ensuite, ici. Bon, là, on peut pas prendre. Ça non plus. Comme ça. Non, je peux pas avoir de forme identique. Non, là il peut pas avoir de forme identique ici. Attends. Ah oui, ce qui est en gris comme ça, ça peut pas déplacer. Attendez, là, ici. Non, ça peut l'air d'être bon. Je peux même pas déplacer l'assiette vers le bas. Ah voilà. Maintenant pour ça. Ah voilà, je pense que c'est bon. Ok les amis, on a réussi. Ok c'est bon. Ouh, on a réussi. Ok. Encore une énigme de résolu. Parfait. Ok c'est bon. Ok les amis, on a résolu l'énigme. Ok parfait. Bon bah les amis, il ne reste plus que 9 énigmes. Allez c'est parti. Pirate numéro 1. Ok, c'est parti. Énigme numéro 12. Pirate en péril. Touchez un coffre afin de déterminer la position de départ de la caravelle. Les coffres situés sur la même ligne horizontale ou verticale apparaissent en subbrillance. Touchez n'importe quel coffre en subbrillance pour que la caravelle vogue jusqu'à lui en collectant tous les coffres sur le chemin. Après le premier déplacement, le kraken apparaît derrière la caravelle et commence à le suivre. Il est impossible pour le navire de revenir en arrière. Faites en sorte que la caravelle collecte tous les coffres en évitant le kraken. D'accord, et là je dois éviter le kraken. Le kraken. Ok, attendez.
pense qu'il faut prendre la coffre là. Je pense qu'il faut récupérer la coffre à droite. Et je pense qu'il faut aller en haut. Et récupérer le coffre ici. Voilà. Je pense qu'il faut aller en bas. Aller là. Et non! Attendez, attendez. Je pense qu'il faut aller à gauche. Aller là et aller en haut. Je peux pas aller plus haut que ça. Ok, les deux coffres en bas. Au-dessus peut-être. À gauche et en dessous. Et là, faut aller là peut-être. Ok, c'est bon. Ok, les amis, on a réussi. Je pense avoir trouvé. Ok, c'est bon. Ok, yes. Encore une énigme de résolu. Parfait. Alors, ça va être quoi l'animation? Il arrive là-bas dans l'île, je pense. Oh, et matelot du bateau. Ouais, matelot. Ok, parfait. Ok, les amis, on a résolu l'énigme. Ok, on va se garder. On va passer à la prochaine. Alors, œuf numéro 1. Ok, c'est parti. Énigme numéro 13. Encore un œuf fort. D'accord. Ok. Guidez le serpent et aidez-le à rassembler tous les œufs se trouvent sur le parcours. Au départ, le serpent est tout petit, mais à chaque fois qu'il mange un œuf, son corps s'allonge. Ah, c'est comme le célèbre jeu de Snake. Ok. Gardez à l'esprit que le serpent ne peut pas reculer. S'il heurte un segment de son corps, c'est perdu. Ah ouais, ça fait penser là au jeu de Snake là, quand il faut collectionner des trucs là et que le serpent devient de plus en plus long. Ah, ce fameux jeu. Ok, je pense qu'il faut aller à droite. Il faut aller là. Je pense qu'il faut aller là. Et faire un grand détour peut-être. Comme ça. Voilà, et ensuite aller en bas. Ouais, tout en bas. Et je pense qu'il faut aller là. Et comme ça, détour comme ça. Voilà, c'est bon. Ok, les amis, on a réussi. Ok, on a réussi. Yes. Encore une énigme de résolu. Parfait. D'un gentleman. Ok, on a réussi. Très bien. Ça, c'est fait. Sauvegarde. Allez, les amis, on continue. Allez, prochaine énigme. Les piles, plis, 1. Ok, c'est parti. Allez. Énigme numéro 14. Pli de guerre 1. Ce royaume de papier a été envahi par des ordres d'ennemis, il faut libérer. Ah, c'est des pixels comme les jeux pixels, ça c'est sympa. Les lignes continues marquent les frontières des comtés, les pointillés, les vallées. Les zones oranges sont les endroits où vos chevaliers affrontent l'ennemi. Vous pouvez replier ces zones pour réfléchir le cours des combats. Faites glisser un comté orange par-dessus une vallée, ligne en pointillé, pour que tous les chevaliers reprennent le contrôle de toute la zone et hissent vos couleurs. Vos chevaliers ne peuvent progresser qu'à travers les vallées. Ils ne peuvent libérer les zones sombres sur la carte. Alors veuillez bien à ne rendre aucune zone inaccessible. Aidez vos chevaliers à reconquérir l'ensemble des territoires en terrassant les ennemis de tous les comtés. Ah d'accord, donc là ce que je dois faire, je dois les combattre, je dois aller faire comme ça, attendez. Ah oui, je peux déplacer. Peut-être qu'il faut mettre là. Et ensuite, le mettre ici. Et mettre ici. Ok, c'est bon. Ok les amis, on a réussi. Ok, c'est bon. Yes. Encore une énigme de résolu. Parfait. Ok les amis, c'était ça. Yes. Ok, ça c'est fait, sauvegarder. Ok. Bon allez, du coup les amis, prochaine énigme. Alors, les pièces. Ok, c'est parti. Énigme numéro 15. D'or et d'argent.
Créez deux zones interrompues, une or et une argent. Les pièces d'or doivent se trouver dans la zone d'or et les pièces d'argent dans la zone d'argent. Touchez une case neutre pour la changer en or. Touchez-la une nouvelle fois pour la changer en argent. Touchez-la encore pour qu'elle redevienne une case neutre. Les bords supérieurs et inférieurs du plateau sont liés, de même que les bords gauche et droite. Utilisez les flèches pour faire défiler les cases du plateau. Divisez la totalité du plateau en deux zones interrompues sans laisser de case neutre. Notez bien que deux cases situées sur deux bords sont connectées. Ah, je dois transformer des pièces pour les relier comme ça. Attendez. Pour les mettre comme ça. Ok, je vois. Peut-être qu'il faut mettre comme ça. Attendez. Ah, ok, je vois. On va mettre ça comme ça. Peut-être qu'il faut les mettre comme ça. Les jaunes aussi. Et maintenant, là, il faut mettre en bleu. Je pense que le reste, c'est du bleu. Et là, si on monte... Ah, bah, c'est bon comme ça, alors. Ok. Bah, si c'est bien ça, là, c'est du bleu, 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 jaune, jaune, jaune. Et là, je pense que c'est tout bon pour le reste. Ok, les amis, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je suis confiant. Yes! Ok. Encore une énigme de résolu. Parfait. Ah, ok, c'est sympa. Yes! Ok, ça, c'est fait. Sauvegarde. Allez, bon écoutez les amis, il ne reste plus que 5 énigmes. Voilà mes amis, il reste plus que 5 énigmes. Allez, c'est parti. C'est la dernière ligne droite. Allez, maison. Allez, c'est parti. C'est parti. Putain, j'allais faire tomber mon PC. Hein. Vas-y. Énigme numéro 7, chacun ses soins numéro 1. Bon écoutez les amis, je suis désolé si vous avez vu à ma caméra, c'est avec mon genou, je voulais m'asseoir correctement et je prends mon PC sur le genou. En même temps, je mets mon PC tellement proche de moi, comme je vous ai expliqué, mais bon. Plusieurs familles se partagent cette terre. Le chiffre près de chaque maison indique le nombre de parcelles qui forment le terrain qui possède la famille qui l'occupe. Fais glisser le stylet sur la grille pour créer un rectangle de couleur correspondant aux limites du terrain possédé par chaque famille. Si le terrain attribué à une famille est trop vaste, le rectangle devient rouge. Si la surface attribuée est la bonne, le rectangle devient bleu. Une parcelle ne peut entretenir qu'une seule famille. Tracez les limites de chaque terrain afin de mettre un terme aux querelles de voisinage. Ah, attends. Si j'ai bien compris, attends. Je dois mettre des maisons comme ça. Je dois mettre des parcelles. À mon avis, c'est ça. À mon avis, peut-être qu'il faut diviser des maisons en plusieurs trucs. Alors, peut-être qu'il faut mettre comme ça. Et là, je pense qu'il faut mettre comme ça. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est en plusieurs terrains. Ok, ça doit être ça. Ça doit être ça, comme ça. Une partie comme ça. Non, bah oui, une partie comme ça. Une partie comme ça. Ok, ok, les amis, c'est ça. Je suis confiant. Ok, c'est bon. Yes! Encore une énigme de résolu. Parfait. Oh, il fait nuit. Attention, il fait nuit. Ne parlez pas trop fort. Chuchotez. Ok, c'est bon. Ça, c'est fait. Ok. On va sauvegarder. Allez, les amis. Il ne reste plus que 4 énigmes. On va faire celui-là. Alors, Pierre. Allez, c'est parti. Énigme numéro 17. Monstrolithique. Faites écrouler ces pilier de pierre afin d'écraser tous les monstres. Déplacez la jeune fille contre un pilier pour qu'il fasse s'effondrer. Les pierres tombent les unes derrière les autres dans la direction dans laquelle elles sont poussées. Vous ne pourrez pas faire écrouler un pilier dont les pierres tomberaient sur d'autres pierres ou en dehors du plateau. Sachez également que la jeune fille ne peut pas sauter par-dessus les monstres ni par-dessus les pierres. Si elle est bloquée, vous devez recommencer. Ah d'accord, donc là, si j'ai bien compris, il faut que je fasse écrouler les piliers. Ok, ok. Alors, à mon avis, je pense qu'il faut pousser un pilier en bas. Et pousser le pilier vers la droite. Ah non, il y a les monstres. Ah non, peut-être comme ça. Eh ? Attends. Ah non, ok, je vois. Ok, je vois. Pousser vers le haut ? Non. Ok, je pense qu'il faut pousser vers le haut. Ensuite vers la droite. Vers le haut. Et peut-être ensuite à... Ah non, attends. Ah merde.
c'est bon. Ouais, je crois que c'est ça, et après, il faut que je fasse... il faut que je fasse ça ensuite. Ouais, je crois que c'est bon. Voilà. Ok, les amis, on a réussi. Et c'est gagné. Yes! Encore une énigme de résolu. Parfait. Ok, c'est bon. Yes! Ouais, on va sauvegarder. Eh bien, mes amis, il ne reste plus que 3 énigmes. Allez, c'est parti. Clair, obscur, 1. Ok, c'est parti. Énigme numéro 18. Clair, obscur, numéro 1. Toucher un carreau pour le faire pivoter de 90 degrés. Réorganiser les zones claires du plateau de sorte qu'elles ne forment que des carrés ou des rectangles. Les carreaux unis peuvent être laissés tels quels ou associés à des triangles pour former des carrés plus grands ou des rectangles. Des carrés plus grands ou des rectangles. D'accord. Attendez, si j'ai bien compris, il faut que je fasse des carrés comme ça. Ok, je vois. Ah ouais, ok. Je pense qu'il faut faire un carré comme ça. Ça a l'air bien compliqué, hein. En bas. Ah, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, regardez l'écran supérieur. Ok. Ici, à mon avis, c'est là. Non. Ici, je crois. Ici, en bas. Merde. Ah, je voulais pas faire ça, merde. Décidément, à chaque fois, je misclique, c'est chiant. En bas. Ah, c'est bon. Là au-dessus, je pense qu'il faut rien toucher. Donc là, il faut déplacer un bloc là. Attends, comme ça. Après, il faut former un genre comme ça. Ouais, un genre comme ça. Ça, c'est bon. Et après, il faut mettre les blocs comme ça. Ok. Et ensuite, en bas. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est bon. Ah, regardez, c'est Layton. Ah, c'est Layton. Ah, ok. Ok, les amis. On a réussi. Yes. Encore une énigme de résolu. Parfait. Ok, bon, bah, voilà. C'est le Layton comme ça. Ok, les amis, bon, on va passer à la suite. Allez, les amis, c'est bientôt la fin. Encore 2 énigmes. Allez, c'est parti. Récolte 1. Allez, c'est parti. Énigme numéro 19. Le temps des récoltes 1. Installer les barrières manquantes dans le jardin afin de diviser l'ensemble de la surface en parcelles de 4 cases. Les parcelles de même forme révoltent la même couleur. Ceci doit jamais être placé côte à côte. Dans certains cas, des formes symétriques entre elles se ressemblent mais sont pas identiques. Vous pouvez les placer à côté. Ah, attendez, donc là, je dois placer des plantes. Des plantes comme ça. Ouais. Ok, c'est encore comme les autres énigmes, le genre d'énigme. Donc, non, attendez. Faut peut-être faire comme ça. Ici. Ok, ici. Ici. Là. Ouais, c'est bon. Ensuite, ici, on va le mettre là. Ah, merde. Ah, mais vas-y. Comme ça. Et comme ça. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. C'est en 4 sections à chaque fois. Ouais, écoutez les amis, je pense que c'est ça. Je pense avoir trouvé. Yes! Ok. Encore une énigme de résolu. Parfait. Ok. Ça c'est fait. Voilà. Eh ben du coup les amis, c'est l'heure du dernier énigme. Voilà les amis, nous sommes déjà à la dernière énigme. Eh ben du coup c'est parti. C'est parti pour le dernier énigme. Allez, c'est parti. Allez, sautez-moi, bonne chance. Énigme numéro 20, notion élémentaire.
Touchez un bloc sur l'écran tactile pour le sélectionner. Touchez-le à nouveau pour annuler la section. Trouvez les séries de 4 blocs à joindre affichant chacun un symbole différent. Sélectionnez les 4 blocs pour les faire tous disparaître. Tous les blocs se trouvent au-dessus des blocs qui ont disparu vont tomber. Pour résoudre les énigmes, faites disparaître tous les blocs. Ah ok, ça a l'air facile en fait. Il faut que je fasse des... Que je sélectionne 4 blocs différents. Ok, attendez. Donc là on a des... On a une éclair, on a l'eau, le feu. On dirait les gens comme... voilà. Ok. À mon avis ça doit être comme ça. Ok. Ça aussi. Comme ça. Non, attendez. Comme ça. Voilà. Et ben du coup les amis, on a réussi, je crois que c'est bon là. Est-ce que c'est la bonne solution? Ouais, c'est bon. Yes. Encore une énigme de résolu. C'était une très belle énigme. Bon bah voilà, on a résolu tout. Vous avez obtenu le titre d'énigmocologue numéro 1, trophée la Layton Mobile. Et j'ai pas d'autres récompenses? Ok. Je pensais qu'il allait avoir une récompense genre que t'as terminé les 20 énigmes. Après il y a aussi d'autres énigmes qu'on peut télécharger, mais bon, on va pas les faire parce que voilà. Bon, les trophées, le Layton Mobile. Titre décerné pour la résolution de la première énigme du jour de chaque type. Pour récompenser votre assiduité, nous vous offrons le super musée. Ah ouais, ça permet de gagner des trophées. Et là, ça permet de créer sa propre chambre. Là, on peut mettre un truc comme ça. Ok, d'accord. Ok, bon bah les amis, je pense qu'on a résolu tous les énigmes à présent. Ok. Après, on a le défi du professeur avec les énigmes compliquées. Mais nous allons faire ça à la fin des 15 ans. On fera ça à la fin des 15 ans. Et dans Top Secret, qu'est-ce qu'on a débloqué? Ah, on a débloqué des personnages. Ah merde! Bon, écoutez les amis, je manque 13 Picara. Et j'ai pas assez de Picara. Là, il faut 4400, mais j'ai seulement 13 Picara que j'ai pas. Ça, c'est vraiment dommage. Donc là, c'est les personnages en 2D. Attendez, 2D ou 3D? Ok. Donc là, on a Layton, Herschel Layton. On a Luke. On a Amy. On a Deskol Sycamore. Voilà, je vais dire ça comme ça. On a Gaia. Inspecteur Grouski. Deskol. Bronef. Après, on a Raymond. Roland, le père de Layton. Lucille, la mère de Layton. Mamie Mystère. Kids, Miaou, Aldus, ça va très bien mes chers amis. On a Prima, on a ce bonhomme qui n'arrête pas de pleurer comme un bébé. Donna, Macha, Georges, Humbert, Solveig. Ah ouais, c'est la femme Solveig là, comme dans DPMP. Ouais. Eric, Noisette. Et là on a ce mec vraiment très bizarre, très moche. Sonia. Après on a Cormac, Lizzie, Alvin, Ducan, Jeannette, Charlotte, Carmichael, le doyen d'Elmona, Claire Triton, Brenda la mère de Luc, Anna, on a Bloom, on a Amélie, Inspecteur Chelmay. Après on a un policier. Là on a Stern, Coprin, Agari, Amanita, Golmoth, Chanterelle, Léopold, Moril, Bud, Javier, Pompon, Miranda, Gretchen, Barbara, Vermeil, Ruby, Colt, Griffrousse, Jess, Deringer. Et après on a Julien, Romilda, Shepard, Peter, Bella, d'accord, Joachim, Béatrice, Hamid, Banu, Dana, Temir, Mary, Babak, Fen. Et là, c'est le personnage de Target. Et ça va, les amis, je m'appelle Bess. Bécasse, tu vas te calmer, Bus. Épervier, Martin, Moineau, Faucon. Et là, c'est tout. Alors, personnage 3D. Ah, d'accord, c'est avec des animations 3D. Layton, voilà, des animations 3D. Ok, des animations 3D. Luke. Luke qui a peur. Voilà. Il a froid, il est essoufflé, il pointe du doigt. Amy. Là, on a Amy. Voilà, on peut faire des... Ah, d'accord, ça permet de faire des animations. Ça permet de voir les animations. Ça, c'est sympa, ça. Amy qui a peur.
Amy qui sort son carnet, son appareil photo. Alors, Sycamore, il est content. Voilà, il est content. Ah ouais, avec ses lunettes comme ça. On dirait comme les animés. Quand il n'est pas content, etc. Il y a d'autres animations comme ça. Alors, Gaïa. Là, on a Gaïa. Avec différentes tenues. Ok. Inspecteur Grosski. Inspecteur Grosski. J'adore mon travail. Oh là là. Ce personnage emblématique. Descol. Descol. Voilà, ça c'est Descol avec ses animations. Voilà. Donc là, c'est des animations comme ça. Brenef. Ça c'est Brenef. Oh. Je veux la face lente. Raymond. Raymond qui dit comme ça. J'espère que vous allez apprécier le voyage. Là, c'est le père de Layton. Ok. Ses animations comme ça. Pas très intéressant. La mère de Layton. Quand elle est contente. Ouais, des animations comme ça. Mamie Mystère. Ça, c'est Mamie Mystère. Voilà. Mamie Mystère. Ah, c'est tout comme animation. Le chat Kids. Miaou. Miaou. Et là, quand il se lave. Aldus. Ça va très bien, mes chers amis. J'espère que vous allez tous très bien, mes amis. Aldus. Voilà, quand il est content, et là, il tape ça. Je sais pas, sa tête. Et là, quand il a froid. Prima. Les animations de Prima. Quand il a froid, et là, ouais. Et là, c'est le personnage qui pleure comme un gros bébé. Voilà. Ok. Donna. Donc, on a Donna. On a vu, c'est la mère de la petite fille, je crois. Masha. Avec ses yeux un peu comme les styles animés. Voilà, après, on a ce gars-là qui est content, qui se bat et blablabla. Humbert. Ça, quand il parle normalement. Ah, c'est tout comme animation. Ok. Solveig. Ouais, Solveig. Eric. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'animation. Noisette. Ouais. Et là, c'est ce gars très bizarre et moche. Voilà. Oh, regardez ses yeux. Ok, on a Sonia. Voilà, la petite fille Sonia. Cormac. Voilà, Cormac. Lizzie. Ouais, c'est Lizzie. Alvin. Elle est Sigmunds. Locke. Lol. Ouais, très bien. Et quand il fait sa danse bizarre, là. Attendez, c'est quoi sa danse? Ah, voilà. D'accord. Ducan. Ducan. Je sais pas quoi, comment l'appeler. Jeannette. Ouais, c'est quand elle fait ses interviews, je sais pas quoi. Charlotte aux fraises. Lol, comme le dessin animé. Ok, des animations. Elle fait à peu près comme le mec, Alvin, là. Carmichael. Le doyen Delmona. C'est dommage qu'il n'y a pas... Schrader, là. Docteur Schrader. Quand il dit bonjour et quand il parle. Claire Triton. Voilà, c'est Claire Triton. Et la mère de Luc. Ouais, ok, il n'y a que deux animations. Anna. Et là, quand il va faire ses yeux, voilà. L'inspecteur Bloom du Masque des Miracles. Amélie. Chalmet. Inspecteur Chalmet. Le policier, blablabla. Stern. Quand il est content, quand il est effleuré, voilà. Et là, c'est le chef quand il rigole, voilà. Attends. J'ai envie de voir son animation. Ah, quand il a des lunettes. D'accord. Agari, avec sa tête de champignon. Amanita, quand elle fait sa danse, voilà. Galmot. Ouais. Chanterelle. Yopiot, quand il est content et quand il est fâché. Moril. Ouais. But, quand il parle anglais, ce gars-là. J'aime bien, ça va trop bien. Pampon. Attends, c'est quoi l'animation quand il offre un pampon? Voilà. Miranda. Elle ressemble un peu à Lilo dans Lilo et Stitch en plus. Gretchen.
Barbara. Ouais, Barbara. Vermeil, la grand-mère. Ruby, la petite fille. Colt. Et là, c'est Griffe Rousse. C'est Griffe Rousse. D'accord. Et là, quand il rogne. Ok. Alors, Jess. Ouais, c'est ce gars-là un peu con. Deringer qui parle de je sais pas quoi, de façon bizarre. Ah, on a Julien, on a Romilda. Ah oui, j'ai pas vu les animations. Ouais, quand il est pas content. Attends, c'est quand il est content, voilà. Romilda. Ah ok, c'est en robe comme ça. Je sais pas. Ouais, pas grand chose. Pieter. Ouais, quand il fait ça. Ouais. Joachim. Béatrice. Quand elle est pas contente. Il n'y a pas d'animation, elle est fâchée. Hamid. Manu. Dana. Ok. Et le petit gars qui fait une danse comme ça. Attends, il n'a pas d'autre animation que ça. Ah oui, quand il est pas content. Et là, quand il est pas normalement. Mary. La petite fille, là. Babak. Ouais. Et là, c'est l'oiseau. Ouais, ouais, ouais. Eh, c'est moi, Bus. Eh, c'est moi, Bus. Je sais quoi. Bonjour, je m'appelle Bécas. Bus, tu dois te calmer. Attends, j'ai pas vu l'animation de Bus. Voilà, quand il est en train de courir, quand il est énervé, quand il fait... Ah non, ça c'est quand il fait stop. Et là, quand... C'est quoi sa danse? Bon, là, c'est juste ça. Mais il fait une autre danse, mais je sais plus laquelle. Bécas. Voilà, quand il parle, il n'y a rien trop d'intéressant. Épervier. Ah oui, quand il fait son... Attends. Non? Ah, voilà. Martin. Martin. Ouais. Moineau. Moineau, comme le nom d'oiseau, je sais pas quoi. Ouais. Et là, on a Faucon. Et je crois que c'est tout. Ok. C'est très intéressant de voir les personnages comme ça. Voilà, avec tous les personnages comme ça. Là, on est en 2D et on est en 3D. Et après, on a la porte cachée. Mais la porte cachée, on sait pas quoi. Pour l'instant, je ne saurais pas vous le dire. Et bien voilà, sur ce, bah, on a tout résolu. On a fait tous les énigmes. Avec les trophées, etc. On a fait tous les énigmes. Ah, ok. Ok, voilà. Bah, du coup, on fera ça à la fin des 15 ans, bien évidemment. Bon, et bien, sur ce, les amis, c'est la fin de cet épisode. Je pense que cet épisode dure déjà presque une heure. Bon. Bon, en tout cas, voilà, les amis, c'était juste un épisode qui est très court. Je pense que c'est la plus courte épisode des 15 ans de toute l'histoire de la série. Bon, en tout cas, voilà, c'était un petit épisode pour vous montrer les 20 énigmes bonus. Après, j'aurais pu télécharger d'autres énigmes, mais voilà, après, il y a tellement d'énigmes à télécharger, ça prendra du temps. Après, je pense qu'à l'époque, j'avais pas fait les énigmes, ou je crois que oui, mais je sais plus trop. Bon, en tout cas, voilà, du coup, sur ce, les amis, bah, c'est la fin de cet épisode. En tout cas, c'était une petite épisode pour vous montrer les énigmes bonus, pour faire les énigmes dans les extras, en tout cas. Bon, en tout cas, voilà, en tout cas, même si cet épisode a été court, en tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Et bien, voilà, c'était pour une fois, là, pour de vrai, c'était vraiment le dernier épisode du jeu. Et du coup, les amis, dans la prochaine épisode, on va jouer à l'aventure Layton, le dernier jeu des 15 ans. Bon, en tout cas, voilà. Et bien, voilà, sur ce, bah, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Et bien voilà, bon bah du coup les amis, bah je vous remercie à tous d'avoir regardé cette petite épisode bonus. Je sais que ça va être l'épisode le plus court, mais voilà, c'était juste pour vous faire les énigmes bonus. Parce que dans le précédent épisode que j'ai sorti hier, à l'heure où je sors cette vidéo aujourd'hui, bah on n'avait pas fait les énigmes bonus dans les extras. Et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous présenter et de faire les énigmes bonus dans les extras. Bon, en tout cas voilà, c'était juste pour vos plaisirs.
Bon, et bien, du coup, les amis, bah, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dimanche pour la prochaine épisode Layton. Et dans la prochaine épisode pour les 15 ans, nous allons faire le dernier jeu Layton, qui est l'aventure Layton, le jeu Layton le plus mauvais, parce que c'est plus avec le professeur, mais en tout cas, on fera le jeu dans la prochaine épisode, puisque c'est le but, mais en tout cas, on fera ça dans la prochaine épisode. Et bien sur ce les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour des nouvelles vidéos. En tout cas, j'ai adoré cet opus. En tout cas, c'était le dernier jeu avec le professeur. La prochaine fois, ce sera avec la fille du professeur qui s'appelle Catriel, avec des nouveaux assistants et une nouvelle aventure inédite. Bon, en tout cas, j'ai vraiment adoré cet opus. C'est vrai que ce jeu Layton et l'aventure Layton, c'est entre 4 ans. Entre 4 ans, parce que l'aventure Layton était sortie en 2017. Bon, en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, voilà. On fera le prochain jeu Layton dans la prochaine épisode. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Et bien, voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ah, la musique qui redémarre. Ok, la musique qui redémarre. Bon, bref, c'est pas grave. Allez. Bon, du coup, les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et bien, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite pour des nouvelles vidéos. On se retrouve dimanche, la prochaine fois, pour un nouvel épisode. Et on jouera à l'aventure Layton. On fera ça dans la prochaine épisode. Allez, les amis, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà, les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci, les amis, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci, les amis, à bientôt.